Diplomatien là, beaucoup de divers syndicalistes dans le secteur transport. Nous parlons avec une initiative, un mouvement, ça a été annoncé après la première grève, la force syndicale pour sauver Haïti a annoncé opération fermée payant qui commence matin là pour forcer autorité à résoudre problème de sécurité et problème Gaza cap empiré dans la société. Une porte-parole force à Yves-André Joseph, allongé de l'autorité cap paré pour prendre comme l'État pour payer 17 millions de dollars américains, 400 maozo exigé pour pour Américains, ils ont un comportement irresponsable d'après syndicalistes qui voyaient Pingaba équipe Ariel Henry qui d'après les papes réglés en rien sous pouvoir côté Yves-André Joseph, un ami que Jean-Philippe Massé. Lundi 25 octobre 2021, opération ferme pays a commencé. L'a continué mardi 26, mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 octobre 2021. N'a pas samedi et samedi 30 et dimanche 31, nous prenons jour ça pour nous ravitailler, pour nous aller à l'église. Lundi 1er et 1er, mardi 2 novembre, c'est fête saint et mort qui a manifesté contre force fenoir. Mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5 novembre 2021, nous prenons une petite pause. Pour nous attendre force noyau pour nous donner qui lumière dans tout ça nous pral citer là yo parce que qui lumière y a pas le côté parce que nous pas voulez nous pas voulez rester pour nous baoué clair. Question insécurité, question vol, question viol, question kidnapping, question la vie chère, marché noir qu'a fait sous gaz là, question marché noir qu'a fait sous fer ciment, une manière pour le peuple à demander question de déportation massive, illégale, qui a fait sous peuple haïtien, sous frein accès nous aux États-Unis. Et puis, nous t'a comme tendé tout, une petite question qui a parlé, une petite affaire, côté peuple haïtien doit payer 17 millions de dollars pour la guerre américaine que les 400 maozo ont kidnappé. Et d'après Jean-Bacal a parlé, t'as semblé l'agent ça a déjà concocté au niveau de DGI, au niveau de plusieurs institutions, pour t'arriver jeune comme ça, sous dos, misère peuple haïtien, pour aller payer, pour être capable de libérer 17 Américains qui kidnappé pour bailler 17 millions de dollars à 400 maozo. Nous disons c'est bien compté mal. Question nèg qui prend l'État, à part l'État, qu'est-ce l'État? Yo fait tout non, qu'est-ce maman yo avec papa, yo a soucié. Je dis, Fatra, c'est Fatra qui a mis nous dans tout coin là, dans le pays. Et c'est même Fatra ça tout qui vient dans l'État, qui a soucié, tiré, qui était dans la caisse là. Non, c'est ça. Nous disons opération fait. Mais pays, c'est lundi 25 cabinet, je ne te dis. Nous disons fermé pays, c'est fermer le pays pour nous résoudre le problème véritable qui a brassé le pays parmi les problèmes de nos sociétés. Ce n'est pas fermer le pays pour nous jouer. Ce n'est pas fermer le pays pour nous faire matu vu. Ce n'est pas fermer le pays pour nous comprendre ce matin sous peuple. Ce sont fermer le pays pour nous dire que c'est trop tard et pas avant. Problème ça on résout, pays en nous. Pas car nous commençons à fonctionner là-dedans. Et dans ce sens, nous disons tout le monde qui connaît que. Yo prend l'état d'assaut, commencez baïtano, commencez gérer tout. C'est déclaration Yves-André Joseph, une initiative question grève pour jeudi lundi 25 octobre 2021. Nous avons toujours été avec un autre syndicaliste, l'initiateur dans question grève ça. Fois ça, nous avons regardé avec Jacques Anderson Desroches, force syndicale pour sauver Haïti, déjà écrit les organisations, mais les institutions, TOCO, APH, RNDDH, KNVA. Il a trié dans la démarche il a fait pour mettre sous pied une pétition contre insécurité à côté Yopral. Écrit international pour attirer attention sur ce qui a passé en Haïti. Jacques Anderson Desroches encourage tout l'autre secteur yo prend position pour appuyer des massila syndicaliste minimiser changement qui fait dans tête la police là. En côté Jacques Anderson Desroches pour plus de détails. Nous au niveau de la FOSA comme institution qui connaît la démocratie
et qui croit nous-mêmes nous proposer et à tout pays à une sorte de ralliement national. Et nous avons présenté la méthodologie là, et nous avons présenté tout de correspondance nous écrit. Par exemple, nous écrit NDDH, nous écrit Chambre de commerce, nous écrit Association professionnelle Papio, nous écrit M. Rony Desroches, nous écrit M. Calary Desmondes, question Moun Vodouyo, nous écrit M. Samuel Adiste, Fondation J'éclairé, et en pile l'autre et correspondance qui est disponible, mais nous parlons tout pour. Mais maintenant, nous disons la méthodologie nous sommes simple. Et nous comprenons bien étayé, la donne nous courait et analyse moutée, la solution de l'insécurité, c'est un problème politique, elle est éminemment politique. Parce que je veux dire, n'importe autorité de tête l'État qui va au minimum de légitimité, toute action la poser, pas qu'à résultat. Et je dis, avant la semaine, nous, Premier ministre, Président Kassik Henry, Ariel Premier, décidé de faire des changements. Nous avons dit seulement ça va bienvenu, c'est seulement si il y a un compromis national. Très malheureusement, dans sa nuit, la crise gaz qui est là sous complicité de l'État pour décapitaliser le monde, et particulièrement moi-même personnellement, je suis acheté un gallon gaz pour 200 dollars, c'est le signe qui montre chaque jour plus, c'est la profondeur de la boue. Et maintenant, la partie de l'attention population, pour nous dire, nous, encore une consultation, pour nous faire une pétition nationale contre la sécurité à Soti, et nous obtenons une réponse, tout le monde ça honnête. Parce que nous ne pouvons pas faire ça, son document d'acquisition internationale, côté nous pouvons demander l'ONU, nous pouvons parler avec les États-Unis, et nous pouvons chercher des amis qui sont dans un groupe là. Il faut que là, tout le monde, actuellement, bataille à la baguette, cacher l'ombril, et nous autres, nous avons une position ferme sous lui. Et de, deuxième approche là, en tant bataille à lancer opération dans ces pays à lancer, toute organisation syndicale, dans pile notre qui sortit dans le week-end, là, et nous croyons que notre cap sortit toujours, toute l'organisation de la société civile là, pas qu'on sortit notre, n'a pas encouragé Bouzissio Sotinot, n'a pas encouragé Sotinot, n'a pas dit pour solidifier et intensifier mobilisation. Maintenant, si elle l'a lancé, lundi 25 octobre, donc c'est opération FBIA. Fait FBIA parce que insécurité c'est poison, sécurité c'est bien pour tout le monde. Si pas de sécurité, pas de l'école, pas de travail, pas de investissement. Et de fait, sans sécurité, tout ça n'a pas dit la bagarre, qui n'a pas accordé, pas de rien qui possible. Et maintenant, il faut ça, et l'autre organisation syndicale qui est sur tout le pays. Donc nous passons déjà engagés, et les gens qui sont venus, et nous encourageons pour venir le week-end. Nous-mêmes, nous disponibles, je nous remercie, nous assumons notre responsabilité et nous attendons le. Ancien sénateur Yuri Latortue Dilapié, mouvement grève manche longue syndicale sur lancé qui démarre matin. L'idée a regretté que plusieurs entreprises qui déjà fermé porte à cause de problèmes gaz la cap persisté. Ancien sénateur a critiqué le comportement négligent sa autorité yo qui pas jamais montré aucune volonté pour résoudre la crise gaz la ça qui gen gros impact sur chaque citoyen. En côté Yuri Latortue dans micro mané samedi. Puis gros usine nous gen dans pays a et m'apprendre que yo fermé que par rapport à justement question gaz là il est fermé hein moun sa ka la kayo c'est pas des moun qui en congé payé c'est des moun que yo pas payé parce que usine n'a pas produit et même brasserie a yo annoncé que t'a pas le fermé question usine qui pâte alimentaire yo pas kembé et moi même je dis à me penser que ça va prendre pile temps pour nous fermer la ferme là tout puisque nous pas gain gaz. Premier bagage pour nous sur l'économie, c'est que l'économie, si ça que le gagné, qui te fait gagner 900 millions de dollars d'exportation, même factorio, eh bien, c'est des bagages qui crampent. Ça, c'est une. Deuxièmement, dans la vie population au quotidien, parce que c'est une population qui vit au quotidien, qui l'a levé, eh bien, c'est les Sahara qui prennent la rue pour le chercher, justement, pour le manger, bah, ça, c'est l'économie informelle là. Dans formel là il y a un problème, dans informel là encore plus problème parce que jodi a sou gen 300 400 000 motos dans pays a dans chaque famille ça met 5 moun sou yo ça fait environ presque 2 millions moun qui dépendent de ça seulement donc et jodi a yo pa gen gaz jodi a pa ka faire activité yo c'est des moun qui pas adressé à l'état yo cherche activité pour yo faire pour yo ka survivre et l'état ça li dwe ba yo a pour que qui a disposition yo pour yo payer et pas cadeau faire cadeau li pa gagne donc moi comprendre avec question gaz là
c'est le secteur formel et le secteur informel qui est bloqué. Et c'est normal que les syndicats relient à moi pour dire que nous n'avons pas qu'à vivre dans ça. Et voilà, ça c'est déclaration, c'est sénateur Youri La Tortue, pour nous dire bien l'idée AAA Haïti en action. Conséquence, ou bien pas qu'à grève là, question gaz là, gain, question grève là, tout pour nous dire bien grève là, gaz là pour nous dire, côté quelqu'un qui pas qu'à son ensemble ou ensemble entreprise, côté gain l'hôpital Convention Baptiste d'Haïti HCBH qui trouvait dans le quartier Morin, dans le Cap Haïtien, qui annonçait là, qui en panne diesel, mais ça qui viendra en la vie femme enceinte, qui besoin capable, qui besoin faire césarienne, qui pas capable à cause que parquet courant pour matériel fonctionner si moun kap fait tout tout ça présente un gros problème pour moun dans l'hôpital là patient tout moun qui gen question COVID-19 pour capable prendre soin yo mais pas gagner sans triler essence ou bien gaz pour capable alimenter génératrice pour alimenter l'hôpital Convention Baptiste d'Haïti dans sens ça responsable yo lancé un appel détresse by tout moun by autorité concernée pour permettre que question gaz a capable résoudre pour permettre un ensemble institution surtout l'hôpital capable fonctionner. Parmi yo gen l'hôpital Convention Baptiste d'Haïti HCBH qui trouvé dans quartier Morin dans Cap Haïtien. Nous allons inviter nos côtés Yousvel Lormeus qui est responsable communication l'hôpital Convention Baptiste d'Haïti. L'hôpital Convention Baptiste d'Haïti qui est situé du côté de Kafou Lamor, quartier Morin, Cap Haïtien, a fait face à une situation qui est extrêmement difficile à cause de problèmes diesel que nous pas capable trouver, nous pas capable trouver diesel pour acheter et nous offrir des services qui très critiques tels que service de césarienne, service néonatal et les non dit service néonatal nous avons des monde qui fait de façon prématurée qui dépendent de oxygène et monde ça vraiment et gain nécessité pour que yon gain prise en charge qui assidue à cause de problèmes carburant vie yon vin menacée. Nous avons des patients également de COVID-19 qui besoin d'oxygène. Nous avons d'autres services parce que nous offrons services de chirurgie, nous offrons services de médecine interne, orthopédie, les urgences, et pédiatrie générale, consultation générale, etc. Nous avons services de réhabilitation aussi. Mais ce qui est plus critique, c'est ouais que une femme enceinte besoin d'accoucher. Et puis, malheureusement, et nous pas gain moyen pour faire césarienne, si c'est césarienne que cal nécessité. Ou bien, ouais, un petit monde qui gagne en détresse respiratoire, et puis nous pas capable de répondre à l'appel. Et ça, bon, si les cas d'urgence, et c'est vraiment important pour nous toujours en mesure pour gérer. Yo. Et vu problème carburant, nous avons une grande difficulté pour gérer Kassaro. C'est ça qui fait que nous avons lancé appel de détresse ça, à tout le monde qui est de bonne volonté, qui est capable d'aider nous à trouver diesel, ou du moins des autorités qui doivent faire intervention pour être capable d'aider nous. Et alors, ça a contribué grandement à sauver vie Kassaro. Parce que si pas gagné une intervention urgente qui fait, eh bien, l'hôpital là qui est déjà presque paralysé, a totalement paralysé. Et c'est voilà, ça c'est la déclaration Yousvel Lormeus, j'aime de dire qui c'est responsable communication l'hôpital Convention d'Haïti qui devait dans quartier Morin. Question grève ça, question raté gaz dans li, la cause en pile institution, en pile entreprise a fermé porte tant qu'il y a une ambassade de France en Haïti qui dit que il y a coupé toute activité là à partir de jeudi lundi 25 octobre 2021, mais il prend face avec grève diverses organisations syndicales qui évolué dans le secteur transport qui a annoncé pour commencer en semaine ça. Mouvement protestation qui a fait dans tout le pays contre question raté gaz dans et question insécurité à qui je dis à qui après j'arrête dans la société. Mais c'est des raisons qui poussent que vous-même en ambassade France capable de camper de travail pour aujourd'hui. Pendant que vous considérez question ça, problème ça, vous risquez capable d'augmenter sa nile une vague de violence en le pays. Même j'ai avec diverses autres ambassades, diverses autres institutions, mais ambassade de France dit les mêmes tout obligé prendre décision ça pour capable fermer porte li pour jeudi lundi 25 octobre 2021 en souci pour capable protéger tout
la vie emploi lio. C'est ça nous capable sous compte Twitter ambassade de France en Haïti. Côté il faut qu'on ait une majorité agent cap travaille à distance pour ambassade là et je dis à là il y a quoi que l'important pour capable protéger état protéger vio. Et bon côté ambassade d'Espagne lui-même en Haïti, il prévoit tout à travailler une note pour journée lundi pour capable et caper travail tout et parler des condamnés qui sont ça qui violence cap fait en d'un pays cap augmenter chaque jour qui passe. Face avec situation ça ambassade commandé pour que l'autorité concernée pour ensemble de mesures pour capable bloquer et alors bataille contre cette situation ça question à tes gaz à permettre que gain gaz et puis bataille contre question insécurité d'après ça il dit c'est ça nous capable comme n'en communiquer ça bon côté autorité ambassade de France et même ambassade d'Espagne tout concernant causer raté et gaz là j'en dis à tout qui en pilote institution qui ferme porte yo par rapport avec question grève question raté gaz là c'est cas pour Jean ou saute temps d'intervention yon nan responsable à l'hôpital Convention Baptiste Quartier-Mont et plusieurs autres centres hospitaliers, tant que l'hôpital Saint-Damien, Saint-Luc, menacé fermé portio à cause de problèmes gaz. L'autre institution qui est encore menacé fermé portio pendant jeudi, là même pendant toute semaine, nan, côté gen pile l'école, gen pile institution, l'église, ou entreprise qui ont même tout en train de fermer portio. Plusieurs écoles, tant que collège Berd, Marguerite Duville, annoncé à fermer portio à partir jeudi lundi 25. Jusqu'à vendredi 29 octobre, élèves ont continué à suivre Kouyo en ligne. Ils ont décision, ils ont pris à cause d'un mouvement de protestation syndicale issue annoncée pour ce maintenant, selon ça, mais autorité, selon ça, responsable de l'école, ça, yo dit là. Gagné Conseil national, qui est même capable, Conseil national de la société civile haïtienne, non, CNSCA, qui dit constater avec un pile la peine depuis quelques semaines, non, question, ils ont monté hein yon augmentation question insécurité hein et dans presque tout côté en de pays il y a une situation insécurité ça qui après j'arrête à chaque jour qui passait surtout dans zone métropolitaine Port-au-Prince non et qui commençait à épapier école dans plusieurs villes provinces conseil a dit noter que pour protéger la vie et éviter que camions et cargaison yo même détourné par bandits sur divers chemins transporteurs qui refusaient et fréquenter route terminale Varrea pour question pour à approvisionner pompio mais grève spontanée ça transporter au même yo lancé à là c'est surtout pour capable demander avec autorité concernée yo prendre toute disposition pour capable protéger la vie yo mais face avec la situation grève ça que transporter au même yo lancé à les gain gros conséquences et ça vient grande que question gallon gasoline nan quitté 200 gourdes li passé à 2500 gourdes et gon ensemble de institutions entreprises qui pas ka fonctionner d'après ça et CNSCA conseil là les mêmes conseil national société civile haïtienne les mêmes les dit nan ka ça li mande avec autorité concernée surtout BMPA de bureau monétisation programme d'aide aide au développement pour capable prendre bon à disposition pour permettre que processus de distribution produits pétroliers capable fait dans diverses pompes à essence conseil a exigé que taxe force que DG BMPA a proposé à Fizeme Ignace Saint-Fleur que yo prend ça très au sérieux que la police capable appuyer yo pour faciliter que transporter yo capable al prendre gaz dans terminal et puis pour admettre non propre d'après ça qui dit toutefois conseil national société civile haïtienne non dit le conscient problème non li a privé non niveau qui très compliqué et qui gagne impact sur tout peuple haïtien pendant invité autorité yo pour capable faire tout ça possible yo pour permettre que gaz carburant yo capable disponible dans pompe yo dans commencement semaine non et pour permettre que prix normal carburant capable retourner comme ça doit Jean Lia d'après responsable Silayo. Non, pour suivre l'information, toujours dans le cadre de dossier, si a ancien député Arondon, bien-aimé Kwesana, et sa pays à vivre là, ses résultats, 10 l'année régime PHTK qui déconstruit l'économie pays. Tout chiffre prouvé, pays a fait gros bac. Dernier dirigeant, ça n'a pas de aucune compétence ni vision pour diriger pays d'après Arondon, bien-aimé, qui était dans le micro ou manè samedi. Moun qui était là, ou te gon volonté manifeste. Pour mener nous là et je dis à nous arriver. Moi, je crois que ce n'est pas la première fois qu'il y a une grève sur la question de gaz là. Mais étant donné que les gens sont incapables qui te prennent pour pouvoir tout, ce n'est pas de monde qui sont prêts pour accéder au petit monde des affaires. Ce n'est pas de monde qui te consacre l'État. Ce n'est pas de monde qui te gagne plan, ni programme, ni vision, ni philosophie, ni te fait projection comment nous allons prendre le pays dans point A et puis dans le point B. Je ne sais pas quoi ça. On a regardé l'indice macroéconomique. On a regardé. Et puis, nous avons salvé aujourd'hui. D'ailleurs, depuis sous président Préval en 2009-2010, nous avons un taux de croissance qui est autour de 6%. Je dis à nous, le taux de croissance, c'est moins 0,9 que lié, oui.
moins 0.9. Il pas même 0, moins 0 non, nul pas 1 non. Ça veut dire, regardez qui bac nous fait de 2009 à aujourd'hui. On taux de croissance était 6 points avec QDL. Aujourd'hui, il est passé à un taux de croissance négatif. On regarde le taux d'inflation que nous avons gagné dans le temps passé. Et on regarde le déficit budgétaire salté. Nous avons un taux d'inflation qui était autour de 7% en 2010. Je au lieu de nous pour nous réduire pour taux d'inflation ça a été réduit à 2-3%. Je dis à lui autour de 20-22%. Déficit budgétaire il était autour 13-14-15 milliards. Les ça a été gagné, les gagné campagne pointant, campagne d'hiver, yo te con investissement là. Je dis à nous bon taux nous gros déficit budgétaire qui autour de plus passer 100 milliards sans pas de pièces projet d'investissement qu'a exécuté dans le pays. Et voilà, ça c'est déclaration, c'est débuté à Rodo, bien aimé. N'a toujours été dans le même dossier, ça côté conséquence raté et gaz da qui gagne sous marché à jeune dit en pile entreprise à fermer potio. Gagne même responsable autonome Digicel qui mettait en dit yon note de yon sous compte de yon pour dire que et bonsoir tout le monde, non vraiment désolé pour expérience ou à passé. Hein. C'est un résultat problème accès gaz là qui y pas permet nous renfouler yon paquet dans génératrice sous son antenne nous yon. Malheureusement, il y a plus passé 300 antenne qui a affecté à travers pays à cause d'un problème ça qui causait expérience ça pour client ça veut dire un ensemble de zones là ou après ou pas passé bien appel là pas passé bien mais Digicel expliquer que c'est parce que question raté gaz là la cause gain 300 antennes qui parmi toutes antennes qui gain dans pays qui gain difficulté pour capable alimenter là avec question gaz là mais ça qui rend question communication apparaît très très difficile. Oui, n'a venir avec information ça pour nous dire bien n'a pas la question insécurité toujours. Nous avons regardé l'installation nouveau IGPNH là, pour nous dire bien, côté et gain sans relais, changement qu'a fait là dans la tête, recommandement de la police. Non? Après que en CDG Léon Charles a fini remettre la démission qui est remplacée par France LB, mais Kounia, c'est dans le niveau IGPNH, côté gain changement qui fait, qui dans la tête IGPNH. Nous avons avec installation nouveau IGPN inspecteur général là qui lui-même nous pour regarder qui c'est Fritz Saint-Fort qui est installé comme nouveau inspecteur général la police là ministre AI justice et sécurité publique là qui c'est Litz Kittel qui est installé samedi 23 octobre 2021 Fritz Saint-Fort comme nouveau inspecteur général police nationale d'Haïti dans local DGPNH là dans discours ministre là il insister sur urgence qui gagne pour capable rétablir l'ordre dans pays hein, pendant que nos inspecteurs général actuels promettent pour le redorer et blason question IGPN pour permettre que IGPN soit capable de fonctionner comme ça doit retirer mauvais gagnant. Mais si tu après installation nouveau directeur général police nationale là et qui c'est France LB, c'est tout pas Fritz Saint-Fort qui est installé comme nouvel inspecteur général police nationale là d'Haïti dans un grave contexte insécurité sur le ministre de justice Alix Kittel. Bien yo là yo pas le travail ensemble avec nouveau responsable de la police pour capable permettre que la population ait même autant d'écrire population hein, pour capable porter solution et amélioration face avec la question et insécurité. Sa population qui passe à exprimer ras-le-bol li par rapport avec la situation sécurité si là. Et c'est pour ça, maintenant, niveau gouvernement, selon sa ministre, il a procédé avec une série de changements pour permettre que capable d'avoir un nouvel élan dans la police nationale d'Haïti et pour permettre que la police capable vraiment remplir mission qui s'est protégée avec ses vies. Nouvelle inspecteur général police nationale d'Haïti, Fritz Saint-Fort, promet beaucoup de parle pour travailler en collaboration avec un nouveau directeur général institution police, qui c'est France LB. Capable de garder comment capable ben l'autre image avec la police hein, et bataille pour permettre de la paix et sécurité en de pays hein. C'est ça nous capable li dans installation nouveau inspecteur général de police hein, qui c'est Fritz Saint-Fort. Coordonnateur PNH 17 la conseiller nouveau directeur général PNH à France LB pour bailler un signe pour capable différencier vrai avec faux policiers qui cap posé mauvais zak dans la rien j'ai dernier dit qui réagit qui t'a réagir sous phénomène insécurité à continuer pour le dire faut qu'une institution jeune matériel pour capable faire travail correctement puis loin syndical s'en souhaiter la mais en fonctionnel tout bon yon façon pour le porter support by PNH là côté Jean LDR lundi dans micro balai samedi et une premier bagaille nous quoi qui pour fait faut que France LB ça commencé ça prend toute disposition pour mettre des signes un signe distinctif sur uniforme là pour capable différencier
vrais policiers de faux policiers, de l'autre abonnotio qui a servi avec l'uniforme de la police pour offrir les affaires par eux. Il faut commencer par mettre des insignes distinctifs. Il faut que lui prenne des mesures. Ça me parle, je ne suis pas d'accord avec moi, même quoi que lui très important. Il faut qu'il prenne toutes les mesures nécessaires. Il y a un pile inspecteur principal, inspecteur municipal, inspecteur divisionnaire. Il charge au vin travail qui campait en commissariat. Il faut qu'il prenne des mesures dignes pour inspecteur pour faire le travail. Il faut prendre des mesures pour le tapal avec eux, pour exigeant. Quelqu'un va mettre pour inspecter ça dans le travail parce que chaque temps, au grain policier, en plus dans la rue, il crée un surnom dans la rue. Il faut que tu aies des mesures en termes de véhicules pour être capable de prendre des priorités, pour faire des patrouilles dans des zones bien spécifiques. Inspecteur, ça me croit que tu es capable de porter en pile tout, d'augmenter plus de monde dans la rue. Je crois que soit il faut une formule, faut une bonne formule pour mettre inspecteur au travail. Et l'autre bagage encore, il faut que matériel. Faut que pile matériel que met disponible pour vous capable de travailler. Parce que dans le niveau et banditisme dans le pays, il faut que les policiers aient des équipements de protection, il faut que des machines qui adéquates pour les unités, il faut que des blindés, des bons blindés, il va blinder. Et pour plus s'acheter moi là, bien de haut acheter bocas réel. Il faut que des bons blindés pour les policiers travaillent. Et l'autre bagage encore, Romanès, on croit que faut pays en son pays nous. L'Europe vive nos pays, toujours gagne deux forces, la police et l'armée. Il faut que l'État mette toute disposition pour mettre l'armée en fonctionnel, tout bon vrai, parce que la police là, lui, ils vont se de côté. Et que, côté que, n'a pas des formes de guerre, il y a eu ben gain là, côté que, 400 maos, tout le reste qu'on connaît, il faut que l'armée là en support à la police. Ou bien il faut que la police là en support à l'armée hein, de manière plus capable vraiment vrai et mettre insécurité ça et calmer baisser insécurité hein, pour permettre tout le monde capable à l'école, pour permettre la population capable de faire business, une population qui finit appauvrie. Je crois que le travail qui vous fait là, il faut que l'État même consente qu'elle prenne des décisions politiques assez. Et voilà, ça c'est Jean Elder, lundi syndicaliste qui dit pas croire nouveau DGA IPNH là pral continuer persécuter membre SPNH 17 yo, mais plutôt pral travailler pour libérer tout un policier qui était arrêté derrière de la loi. Jean Elder lundi souhaitait tout pour DGA les mêmes lever interdiction des parcs qui prend compte divers policiers parmi eux lui-même avec Pascal Alexandre. Nous t'ai dit ça priorité nous c'est la RIA, nous pral garder kounya écouter avec nous retourner avec Rosemond Darilus, les bases qui côté lié et qui ça qui gagne comme information. Rosemond Darilus, bonjour, comment ça, qui côté exactement et qui ça qui gagne? Bonjour Blaise, bonjour avec chaque auditeur Radio Negaro, c'est toujours avec un plaisir nous te dire ça déjà, on a informé la population, comment ça est, même depuis le commissariat à Brepoix, comment ça est, et les policiers, non même, bon marché ça, bon, c'est pas ensemble, il y a quelques millions même qui tapent le monde, bon marché ça, bon, les policiers étaient dans toute route là. Fortement de tous les policiers jusqu'à présent, il y a marché dans la route là. Tout le côté, je me barricade, il y a des tuyaux là, nous trouvons nos zones. On commence à y aller, nous avons dit, il y a des gens qui ont bloqué la rue, ils mettent tout le marché dans la rue, il y a caoutchouc, tout le monde. Les policiers ont permis de nous voir là. Nous, là, nous avons dit, ça au même, nous avons fait avec le gars, ça au même. Nous, la rue, nous avons vraiment chargé caoutchouc là-dedans, plein de descente. Nous, là. Rosemond Darilus, on nous reprend pour auditoire la capitaine des radios Méga dans le moment journal Méga matin. Nous pourrons aller tipa tipa pour nous dire qui côté exactement la situation saoudia qu'on tout trouve barricade là. On allait. Oui, Blaise, j'aime tout là, on peut aller même qui. On peut qui bord. On peut qui bord. On peut un bon repos. On peut un bon repos. Et c'est qu'on s'allie et nous remarquons tous les policiers qui ont pris le président, qui ont gardé le combat au même, qui ont débloqué au même Brepoix, dans le moment qu'il n'a pas parlé la blessure de ça. Ça veut dire, pour les gens qui ont gagné de fréquenter rond-point Brepoix, l'idée conseillée pour ne pas arriver là, pour ne pas traverser là. C'est selon ce que je dis là.
n'ont pas besoin de passer parce que dans le moment, on n'a pas les policiers. Ils ont dit, nous, ils ont dit, est-ce que c'est journaliste Noé? Nous disons, oui, c'est journaliste Noé, on va de vous qui prête. Mais nous disons, c'est Radio Mega, et bien, ils continuent à quitter nos palais, puis eux-mêmes, ils ont fait route, ça, ils ont réglé, bien sûr, des sons. Non, pas un problème, on fait travail pour là, ils n'ont pas gagné le choix, c'est de quitter le travail. Par contre, si tout le monde est des sons, on prend, il y a une histoire, eux-mêmes, policiers, on va de vous lever, les pavés, et les policiers ont poussé le pouvoir, ils ont déplacé avec Blaise Peterson. Policier, c'est toi ou bien Baïka qui n'a pas là. Il y a regardé ce gars de Blaise Avila. Merci un peu, le rejoint d'Ari Lucie, c'est ton plaisir. Merci un peu, continuez à avancer pour nous, des informations additionnelles. Et n'a, on était en contact avec vous. Merci un peu, le rejoint. Un peu, le bouddhiste. Pas de problème, Blaise. Mais il faut que nous disions tout. Il y a un citoyen policier qui a pu rester au temps fait libre, débloquer la rue. Non, mouvement qui n'a pas les noms, même là, au point, beaucoup à blesser. D'accord. Merci à plus, heureusement, d'Arelus et n'importe collaborateur, nous, qui, eux-mêmes, dans la rue, dans la zone côtoyée, depuis les gonfers, n'allez pas hésiter, rentrer en contact avec moi, ou bien Jean-William Sévère, pour être capable d'informer l'auditoire du Méga. Oui. N'avancez avec information concernant la réaction qui a fait à beaucoup de divers syndicalistes, dans la question de la police. Non, après, nous avons écouté Jaël Derlin lundi pour SPLH 17. Nous allons écouter Kounia Lionel Lazare, qui, lui-même, c'est coordonnateur général Sinapoa, on l'autre syndicat dans la police. Côté coordonnateur général Sinapoa, Lionel Lazare dit l'app attend en pile Kishoy, non mais nouveau DGPNH qui c'est France LB, tant qu'à Ayre Saleh, policier yo, France LB, pral Gepoul travail tout pour rejoindre confiance population à policier yo. Toutefois, Lionel Lazare dit c'est pas yon chèque en blanc, yo bay avec nouveau DG. Syndicaliste continue croire, c'est pas problème moun, mais c'est plutôt politique qui en rentrer en dans système là pour dire dans la police non en écouter Lionel Lazare. Nous même en tant que policier n'a pas attendre un paquet de bagages de nouveau directeur général de la police parce que faut qu'on résoudre problème interne qui gagne dans institution d'abord parce que la police sont la police qui décrié sont la police qui chargée avec toute qualité problème. Vous capable imaginer jusqu'à présent policier gagne 2 mois de 4 mois sous 3 mois que il pas venu faut bon monde qui capable explication de qui s'est passé. Les policiers a gagné 8 mois, gagné 9 mois qu'une des risques li pas ca jeune faut bon monde qui ba explication. Les nous gagné par exemple 19e promotion, nous gagné 18e promotion, paquet l'autre promotion dans la police qui gagne 24 25 26 mois arriéré salaire depuis que yo prend grade yo poko jam capable toucher le fond bon directeur la police qui a posé problème ça ou les nous considérer façon gradable dans la police nationale d'Haïti faut bon directeur général qui est capable de venir pour régulariser ça qui a passé là parce que Romanes non seulement de problèmes qui gagnent là police à chaque fois les lever pour lui prendre grade par exemple leur 21e promotion la police nationale d'Haïti qui gagne près de 12 ans ils ont commencé le grade dans 12 ans leur 22e promotion leur 19e promotion leur 18e promotion donc c'est autant de problèmes qui gagnent au niveau la police là leur ont monté comme directeur général la police ou bien toute question ça pour répondre et pour chercher solution avec eux. Nous croyons que M. François Albé supposé venir là pour mettre tout bagaille ça au là sous table là parce que faut qu'on reprenne confiance dans policiers yo. N'a toujours été dans dossier insécurité plateforme haïtien organisation travail dans éducation attire attention autorité dans l'état pour conséquence à cause conséquences phénomène insécurité a gain sous secteur éducatif là qui rend parents élèves ak l'autre acteur dans secteur a pas qu'à fonctionner comme ça doit dirigeant plateforme dans mandat l'état haïtien prend responsabilité dans dossier ça reportage Josué Belamou divers voix pas suspend levé dans société a pour continuer dénoncer phénomène insécurité a cap valer terrain dans pays ya CK pour dirigeant et dans plateforme haïtien organisation travail dans éducation fauté qui a attiré attention autorité concernée yo sous conséquence phénomène ça gagné sous certains secteurs parmi yo secteur éducatif là d'après Rachel Louisin une responsable plateforme nan insécurité à la cause jusqu'à présent en pile l'école pas fonctionner dans certains quartiers tant qu'au Matissan Belé ak Cité Soleil
Situation ça, c'est conséquence absence yon politique éducative dans pays a. Dans paquet zone, l'école là pas ka fonctionner là-dedans. Zone Matissan, Cité Soleil, tout belèr yo encore l'école yo pas fonctionner. Ça pas dit autorité yo rien. C'est comme si zone ça yo pas existé. Majorité ti moun qui pas ka l'école kounye à cause de insécurité, parents yo déplacé avec yo, parents yo changé quartier, donc ti moun ça yo pas ka continuer à l'école encore. En pile ti moun qui abandonné l'école. On pile parents qui te zone Matissan, parents ça yo c'est soit retourner la caillou dans pays yo, c'est soit yal vivre dans marché poisson qui gagne Fontamara. Yon bagay qui cause tout bagay ça yo, c'est parce que yo pas investi dans l'éducation, c'est parce que pas gon politique éducative vraiment qui fait tout jeune ça yo vin à commettre des actes malhonnêtes sur population. Insécurité a vin renforcer sitôt avec phénomène kidnapping nan. Même enseignant pas épanoui. Yo enlevé tout le monde. Yo enlevé professeur, yo enlevé médecin. Mais sans yo pas connait, là yo enlevé un professeur cap travail qui pas même gen moyen pour utile tête li, c'est en pile l'autre famille yo décapitalisé parce que c'est qu'est-ce yo pral faire pour yo laguer. Tout le monde peut déplacer parce que yo pas connait qui l'œil a pas enlevé. N'a rappelé, c'est une obligation pour citoyen yon pays gen accès à bon genre l'éducation, sécurité et latrier. Mais en Haïti constat différent. Depuis un bon bout de temps, majorité moun la population en lagué pour compte yo sans ses coupiers autorité. En tout cas, Rachel Louis Saint tentait quand même lancer appel à l'État haïtien pour prendre disposition nécessaire pour améliorer le système éducatif là et puis résoudre problème insécurité. N'a demandé l'État haïtien penser investir dans l'éducation, prendre toutes mesures qui nécessaires pour faire phénomène insécurité ça kaba pour moun marcher normalement Jean Ouvlé que autorité yo prend responsabilité. Josué Belamour, Radio Mega. Merci en pile Josué et Belamour pour reportage si là n'a toujours été dans sa qui pour avec la question insécurité sa kidnapping yo concernant zak enlèvement et séquestration qui fait ce pasteur Jean-Firé Michel Land songer depuis non commence pour moi octobre là déjà pasteur qui gagne plus passé une quinzaine de jours non mais ravissé yo mais côté ravissé yo demandé alors avec famille OK 800 000 dollars américains pour capable libérer pasteur alors que famille a déjà fait connaître yo bail 300 000 dollars déjà avec ravisseur yo qui trouvait que ça passé qu'on a demandé 800 000 dollars pas oublier pasteur Jean-Ferré Michel et puis et c'est ensemble avec Norman Winner qui nomme ravisseur d'après sa proche pasteur yo dit qu'il y a pas rien comme ça 800 000 dollars pour être capable bail avec ravisseur yo mais nous pas oublier n'a rappelé que gagne RKNDDH qui était écrit avec responsable de PJ pour non lettre pour te dire que mais ca kidnapping qui fait ce pasteur Jean-Ferré Michel là t'a gagné droite ministre actuel ministre justice en la donne qui c'est Litskitel pour question de problème amour et amoureuse selon ça NDH te dit côté il t'a fait quoi que Jean-Ferré Michel pasteur a t'a gagné relation tibouboute avec madame Litskitel Barbara Kitel qui gagne tissu dans Libabi jusqu'à présent ces informations ça selon RNDH les mêmes li était bail par rapport avec ça les mêmes dit dans 80 enquête il était fait avec un ensemble de proches, famille, pasteur Jean-Ferré Michel. Nous allons venir avec un dossier spécial dans le journal, la question santé, mais avant, on a regardé qui ça, président dominicain Luis Abinader, les mêmes l'a dit par rapport avec la situation. Insécurité, Jean Haïti lui-même trouvé le jeudi en la. Nous prenons le garder ça. Côté président de la République dominicaine, Luis Abinader, lui, a hier dimanche là, lui mandé avec Dominicain pour pas rentrer en Haïti pour raison insécurité. Mais pas oublier que l'autorité américaine a déjà dit ça, a mis Haïti sur alerte 4 pour que pas rentrer en Haïti. Mais même réalité à la, beaucoup d'autorités dominicaines, le président dominicain, qui c'est Luis Abinader, lui fait connaître qu'il a pris en force c'est sécurité yo sous un frontalier yo pour empêcher que violence qui gagne en Haïti a pas vienne gagner pas sous République Dominicaine. Elle insistait que pour que Dominicain yo pas rentrer en Haïti face avec la question insécurité ça. Luis Abinader parlait de chauffeur cap fait route de chauffeur dominicain cap fait route Haïti et Saint-Domingue pour capable bien coordonner action que a fait